Et bonjour tout le monde, bienvenue pour cette petite vidéo Let's Play rétro, toujours sur Chrono Trigger. J'ai hâte d'avancer, donc on avait réussi à faire le petit tour en moto, c'était plutôt sympathique. Donc on va continuer dans l'histoire. Ok, du coup on est parti, donc on venait tout juste de sortir. Je pense qu'il fallait qu'on aille à Prométhée, c'est ça? Alors il y a une usine désaffectée. Et le dôme de Prométhée. Je crois qu'il fallait qu'on aille au dôme de Prométhée, donc on va aller voir en prio. Ouais, forcément. Je me fais attaquer. Ah, c'est bien, ça touche tout le monde. Plaisant. Je pensais qu'ils étaient un petit peu trop espacés. Les dégâts sont pas dingues, par contre. Ok, les auto-attaques devraient les terminer. Hop. Et hop. Bon, très peu de dégâts pris, ça fait plaisir. Alors... Ah putain, mais il y a de plus en plus de monde, wesh. C'est quoi ce travail? On va se mettre là. Taper ces trois là. Un de moins. Deux de moins, et puis ça va aller automatiquement sur le dernier. Le dernier, on va le finir à l'auto-attaque. Tranquillement, ça devrait passer sans trop de soucis. Est-ce que... Oh, un petit crit? Non, bah c'est bon. C'est bon, c'est bon, ça passe, ça suffit. Impeccable. Alors... Ah, oui. Ouais. Alors je sais pas si j'aurais pas dû passer à l'usine désaffectée avant, on verra, hein. C'est la petite surprise, au pire je referai les combats. Ah, un robot chelou. C'est vrai que d'habitude on récupère, enfin en tout cas la première fois on avait eu un autre perso en plus pour nous aider. Qu'est-ce que c'est? Incroyable, un androïde parfait. On dirait qu'il est détraqué, mais... Elle va le réparer évidemment. Ça pue la connerie. Je peux peut-être le réparer. Ah ouais. Il pourrait nous attaquer comme les autres robots l'ont fait. Non. Je vais faire en sorte qu'il ne le fasse pas. Les robots ne nous veulent pas vraiment du mal. Ce sont des enfants... Des humains. Des enfants. Ce sont des enfants qui les ont conçus ainsi. Pour tuer les adultes. Ah. Je vais me mettre au travail. Bon. La décapiter peu cher. La porte ne veut pas s'ouvrir. Sûrement le robot qui va ouvrir la porte. Ok. Ouais, aïe, aïe. Il a l'air chelou de ouf le robot. Il a l'air trop bizarre. Bonjour. Bonjour maître, je suis à vos ordres. Je suis pas ton maître, je m'appelle Marl. Voici Chrono et Lucas, celle qui t'a réparé. Ouais, donc c'est Lucas ton maître. N'utilisez que votre prénom serait impoli. Ah, mais vraiment très poli ce robot, très bien. Très bien. Quel est ton nom? Ah, numéro de série, ok. R66Y. Ça sera son nom, du coup. Pas du tout, c'est pas joli. Aïe, aïe. Robot. Bon, bah voilà. C'est le nom de base, on va l'appeler Robot. Impec. Ton nom est Robot. Je voulais te poser une question. Vas-y, fais péter. Demande-lui ce qui s'est passé ici. Bah voilà. Que s'est-il passé? Impeccable. On va savoir. Il devait y avoir plusieurs humains ainsi que les androïdes comme moi dans ce dôme. Je suis désolé, Robot. Quelque chose a dû arriver aux humains qui vivaient ici pendant que tu étais en panne.
Pourquoi êtes-vous ici? Pour faire joli. Ouais, il leur explique la distorsion de spatio-temporelle, mis en avant, la totale. En explorant le drôme d'Aeris, nous avons découvert qu'il y a un autre portail ici. Donc oui, on cherche le portail. Malheureusement, cette porte ne veut pas s'ouvrir. Nous ne pouvons pas aller plus loin. Le robot va défoncer la porte. Bon plan. Non, on doit remettre le courant. Dans l'usine désaffectée? Voilà! Vous m'avez réparé. Cette fois, c'est moi qui vous sera utile. Cependant, je ne sais pas combien de temps la génératrice fonctionnera. Quelqu'un devra rester ici pour ouvrir la porte dès que le courant sera rétabli. Lucas, tu restes là. J'ai bien envie, en fait, de garder Marl pour le soin en cas de boss. Ouais. Reste là, Lucas. Et du coup, on a un nouveau perso, niveau 10, Monsieur Robot. On va voir ce qu'il donne. Et donc, juste au nord d'ici, c'est ça. Donc, j'ai bien fait de pas y aller tout de suite. Ok, le robot va désactiver les trucs de sécurité. Comment il écrit? Un ridicule. T'as désactivé le système de sécurité, mais t'as fait apparaître des mobs. Oh, le critique à deux d'attaque. Projette son poing sur un ennemi. Ah, mais il soigne le robot. Ah, c'est dommage. Ah, j'aurais su... J'aurais su, j'aurais gardé Lucas. Quel bordel. Alors. Généralement, faut faire des pouvoirs pour qu'il tombe. Ouais. Non, il est juste plus solide. Il a moins de PV, mais... Bon, je le serai pour la prochaine fois. Monstre très chiant, du coup. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est des mobs. Merde. Je m'y attendais pas à celle-là. Ah, putain, je suis un gros con. J'aurais dû taper le robot du milieu, j'aurais touché les trois. Bon, en vrai, c'est pas ultra grave, mais... sur le principe, ça fait un peu chier. Ouah, les patates qui met le robot. C'était un crit, c'est pas possible. Genre 100%, c'était un critique. Y a aucun mob qui fait aussi mal dans le jeu, là. On va faire attention à la prochaine auto-attaque qu'on mettra avec le perso. Ok. Cette bête de labyrinthe. Alors. On peut rien faire de plus là. Là non plus. On va falloir chercher un petit peu. Ok, on peut traverser. Ça, c'est des coffres, je suppose. Alors. Donc, troisième échelle. Oh. Peut-être pas spécialement prévu, ça. Ouais, c'était un critique tout à l'heure. Sauf qu'il fait... Ah non, ça va, il fait pas trop de dégâts. Il est juste très tanky. Il est tout seul, donc je pense qu'il devrait tomber rapidement. J'espère. Il fait pas mal de dégâts quand même, ce temps pas fait. Ouais, il tombe assez vite. Ça, c'est cool. Du
Duo cyclone laser à prix. Très bien. On va devoir tous les faire. Ok, pas mal de laser. Vive les piou-piou. On va lancer ça. On va mettre un gros soin à chrono. Des bons dégâts quand même. Après, j'ai peur que ça soit pas forcément suffisant. Je pense que ça devrait terminer. Au cas où. On va soigner. Soin à combien? 100. C'est pas mal. Ok. On s'en sort bien. On va avoir un combat à chaque intersection, enfin à chaque bloc. C'est écrit. Bloc suivant. Ah mais plus ça va, plus il y en a en plus. Ouais, non, là ça devient... Ça devient compliqué par contre. Ça va, ça fait quand même de gros gros dégâts. Je mets un petit soin. Le problème, c'est qu'ils sont 5, quoi. Le dernier, ça va être quoi, un boss? C'est forcément un boss le dernier. Alors. Ouais, là, ça touche tout le monde. La portée est pas la même suivant les persos. On peut remarquer ça. Moins 4. Il reste le dernier. Ah non. Donc la portée suivant les combinaisons n'est pas la même. Ça se fait plaisir. Ok, chrono niveau 12. Et là, la salle a l'air vraiment beaucoup plus grande. Ok, c'est bon. Alors, là, il y a ça, mais ici, non. J'ai essayé de les esquiver. Je suis un escroc. Je suis vraiment un escroc. On va y retourner avec le truc laser. Je pense qu'on tue tout le monde en une attaque. Alors, par contre, s'ils pouvaient arrêter un peu. Ok. On touche vraiment tout le monde. Ouais, ça touche toute la map vu l'animation. Et on tue tout le monde. Impec. Ah, du coup, j'aimerais bien que le robot il vienne dans le portail dimensionnel avec nous là. Qui serait plaisant. Ce que je crains, c'est le point de sauvegarde. Juste avant le générateur. Parce que ça voudra dire forcément un boss. A, B, Y, Y. Ok. Ah merde. On va y aller à l'auto-attaque. A, B, Y, Y. Faut retenir. On va aller chercher les deux coffres. A, B, Y, Y. Code de la grue. Où est-ce que je peux rentrer ce code de grue? Ça tombe? Ouais. On va aller faire un petit soin de zone après. On fera ça via les menus, bien sûr. Après le combat, là, il devrait tomber sans trop de soucis. Il y a vraiment besoin de soigner tout le monde. On est bon. De l'or et super SR. Alors, non. Compétences. Marle, aura. Alors, de mémoire. Bon, c'est pas grave. Je crois qu'il y a une touche pour soigner tout le monde, mais
Ah bah si. Ah, j'aurais dû utiliser ça. Ah, elle peut soigner en zone avec lui. Putain, il est vraiment fort ce robot. Il est vraiment vraiment cool. A, B, Y, Y, il faut retenir. Faut vraiment pas que j'oublie. Là, on va peut-être feinter un peu. Hop là. Très bien. Alors, par où est-ce que je pourrais passer? Hein? Faut que j'utilise la grue. Du coup. Ok. On va prendre le combat. Hop. Je vois une flèche juste là, juste à côté de moi. Je pense que ça peut servir à aller dans une autre zone. Et en utilisant la grue, je devrais réussir à virer les comment? Merde. Les cylindres là, les. Bah j'ai oublié, j'ai mangé le nom. Ok. Je vais être limite en éther. Hein. S'il y a un point de sauvegarde, faudra vraiment que je pense à utiliser une tente. What? Encore? Ah, puis ça crit pas en plus. Sur un crit, je l'ai one shot. Ok, c'est bon. Et en plus, ça crit. On est bon? On peut se barrer? Ouais, c'était une sortie. Donc, on a dit A, B, Y, Y. Alors. A, B, Y, Y. Au signal, saisissez dans l'ordre une combinaison de deux boutons. Ah. Bon. Ok, j'ai fait AB. Ça part. Très bien. On peut la refaire avec Y, Y. Très bien. Donc là, on enlève les deux bidons. On va pouvoir aller se balader un peu. On va rééviter le combat en rentrant dans la salle vu que c'est réapparu. On doit remettre en marche le générateur, mais ce que je comprends pas, c'est qu'il y a l'électricité ici, donc le générateur fonctionne. Ou alors c'est un générateur de secours propre à l'autre dôme. Pourquoi pas? Oh! Ah, cette réactivité! C'est incroyable! Quelle prouesse réalisée par le joueur français! Ouais. Oh, sabre fulgurant. Équipement.
Ah bah non, j'en avais déjà un. Bon. Code de la porte d'ouverture de haute sécurité. X, A, B, Y. X, A, B, Y. X, A, B, Y. Et la porte de haute sécurité doit être de l'autre côté. Potentiellement, non, c'est de là où je viens. Ah, alors attendez. Faut peut-être remonter, prendre l'autre côté. X, A, B, Y, faut retenir. Hein. Ah, j'aurais pu faire le. Bah, ça va. Deux attaques, ça tue tout. Ah, t'aurais pu crit. Chrono. Tu m'as habitué à mieux. X, A, B, Y. On retient. D'ailleurs, il y a un petit truc d'écrit. On va regarder. Laboratoire, usine. D'accord. Ne pas arrêter les tapis. Ça, je veux bien. Oh merde. Voilà, typiquement ce que je voulais pas croiser. Donc ça, on va sauvegarder. Et là, ça sent le boss. On va voir si c'était bien ici qu'il fallait la... Pourquoi ils me suivent? Ils sont pas agréables. Et là, il y a ça, là. Bon. Faut taper ça, c'est sûr. Est-ce que ça fait des bons dégâts? Ouais, c'est pas fou, quoi. Ok. 4 points. On va y aller avec le cyclone normal. C'est un peu mieux du coup. Et là on y va l'auto-attaque. Bon, il n'y a plus de mob, est-ce qu'on va pouvoir avancer? Ouais, ça a activé le... Ouverture de l'écoutille. Parfait. Parfait. Ouah, des mobs encore. Ils sont casse-couilles ceux-là en plus. Je les aime tellement pas. Les dégâts sont pas dingues. Il y a une sécurité, on la voit. Hop. Ok, il y a un mort. Est-ce que le robot suffit à tuer le deuxième? Non. Si. Ok, reste que le vert. On reste plus de se à se concentrer dessus comme des gros débiles. Les dégâts sont pas fous, mais ils sont méga chiants à tuer. Parfait. Alors, les coffres, je prends. Bras marteau, ça va être pour le... Le robot, ça. Ouais. Ok, Jean-Guichel robot. Il a désactivé la sécurité. Mais non.
tellement chiant. Tellement chiant ces mobs. Aïe aïe aïe. Putain, son figure open, je dégueulasse l'autre, j'avais pas fait attention. Là, ça, ça meurt. Ah putain, juste l'un des deux quoi. Tristesse. Ok, il reste le rouge. Spam les auto-attaques. Très bien. On va aller voir sur le côté s'il y a quelque chose quand même. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Alors déjà, il y a un coffre. Il y a une échelle. Le coffre, est-ce que je peux l'atteindre? Oui, normalement, en passant par derrière. Voilà. Veste en titane. Tiens, c'est cadeau. Alors, pistolet de plasma, non. Toi, ah merde. Je me rappelle plus du mot de passe. Je suis persuadé que c'est celui de tout à l'heure. Ah. Non. X A Y B. XBYA. XBYA, ça me parle. XBYA. Non. J'ai un trou de mémoire. Ah oh putain, je suis un débile. Aïe aïe aïe. Oh quel enfer. XBYA. Ça me parle. Je suis le pire, mais on va retourner voir. J'ai pas le choix, quoi. Je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle vraiment pas. J'ai un trou de mémoire. Donc là, c'est là où on a ouvert. La sauvegarde. Oh. On peut aller en bas? Ah, cool ça. Ok, on peut revenir directement. Donc, on va récupérer le mot de passe et on redescend. Je suis sûr c'est XBYA. J'ai les nerfs là, je me hais. Là typiquement on est dans un moment où je me hais. Alors, oh, puis c'était où en plus? Qui se rappelle? Non. Là-haut.
Code d'ouverture de la porte de haute sécurité. X, A, B, Y. Putain, c'est tellement facile. X, A, B, Y. Je suis le pire. Putain. Ah, mon Dieu. Insultez-moi en commentaire. X, A, B, Y. Ok. Bon, je suis obligé de me retaper ce combat. Aïe, 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 aïe. Mais quelle pauvre nouille. Du coup, fais un cyclone laser. Et après, on va terminer avec des auto-attaques. Ça devrait suffire. Là, on touche absolument tout le monde, vu que ça touche toute la map. L'attaque est vraiment cool. 120 PV, donc ils ont. Et on termine. Je vais réutiliser une tente, du coup. Puisque là... Je pense qu'on va ouvrir la porte, on va tomber directement sur un boss. Ça me paraît logique comme raisonnement. Donc on se met là. Inventaire. La petite tente. La sauvegarde, je sais plus si je l'avais fait tout à l'heure. Ouais, je l'avais fait. Et on descend deux fois. 1 et 2. X, A, B, Y. On retient. La porte de sécu. Bah alors. Eh. J'ai un peu de mal à comprendre à quel moment faut le rentrer du coup. Ouais. Je commence par X pourtant. Ah. Bon alors on va le chercher comme ça. C'est pas du tout X, A, B, Y. A, B, Y, X. Bon. Je suis un débile. Oups. Ça a l'air complètement débile ce que je viens de faire. Ok, robot panique. État d'urgence. Les systèmes de sécurité est détraqué. Nous devons nous enfuir. D'accord. Wow, wow, wow. Vite, dépêchez-vous. J'avoue. Ok, ça va, il a envie, il a envie. Il n'est pas mort écrasé. Oh, il a l'air vénère. Oh, putain, hors d'usage. Donc là, faut que je refasse tout à la main. Ouais. On ressort là. Là-haut. On longe les murs. On longe pas les murs. Et non, c'est pas tes compagnons. Ils vont nous taper, eux. Vous n'avez rien. Je suis si heureux. Ils vont tellement te botter le cul. Voilà. Tu es défectueux. Tu n'es pas notre compagnon. D'accord. Sympa les robots. Tu vas blesser son petit cœur. Il y a une défaillance dans ton système. Défectueux, je suis défectueux.
Aurais-tu oublié notre mission? Nous devons éliminer tous ceux qui entrent sans permission dans cette usine. Ah. Tu veux dire que c'est pour accomplir une telle mission que j'ai été construit? Tu nous couvres de honte. Disparais. Parce qu'un robot, ça ressent la honte maintenant. Waïaïaï. Et ils sont vénéreux. Mais comment je l'aide? Je le regarde se faire lyncher, genre nature. C'est pas sympathique ça. Oh la violence, ils l'ont balancé à la poubelle. Nous allons maintenant nous débarrasser des intrus. Ah bah non. Ça va être le Dawa là. Là ça va être dur. Je sais pas du tout comment je vais m'en sortir. Ah ça va, ils ont pas l'air de faire énormément de dégâts. Le gros problème c'est qu'ils sont 6. Faut voir en termes de PV. Oh ça va, ils sont tout nuls à chier, tout pourris. Parfait ça. Alors je suis parti sur les deux du fond, c'est voulu. C'est là maintenant, j'ai plus qu'à faire des auto-attaques partout. Parfait. Impeccable. Allons sauver le soldat robot après. C'est notre ami. C'est comme Tsubasa qui dit le ballon c'est mon ami, c'est pareil. Par contre, Marl, ils l'ont dosé. Mon dieu. On fera un petit coup de soin après. Ok, eux, c'est fait. Ah, par contre, l'XP, ça régale. Waouh, 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 waouh. L'XP, elle régale. Ah. Mais forcément, elle va le re-réparer. Animation dégueulasse pour le ramener. Ok. Ne parle pas, ça ira. Mais oui, Lucas répare tout, c'est une dingue. Bien sûr qu'on va y arriver. Tu es resté ici pendant des lustres en panne. Tu dois bien y avoir des choses que tu as envie d'accomplir. Non. Demande au robot ce qu'il veut faire. Mais c'est un robot, madame. Personne ne m'avait jamais posé une telle question. Bah oui, forcément, t'es un robot. Robot. On n'est pas dans Matrix ou iRobot, là, les gars. Je suis si heureuse que tu ailles mieux. Beau travail, Lucas. Ce fut une opération un tantinet compliquée. Quand est-ce la pète? Comment elle se la raconte? Nul. Le portail est là-bas. Donc là, ça y est, on se barre. Ah, mais on embarque le robot avec nous. Impeccable, ça. Oh. Et eh bah ben alors là c'est une bonne question ça. Et là on a vraiment les 4, mais par contre on peut pas jouer les 4. Coup de PV. Hop. Le reste ça va. Ce qui manque c'est pas flagrant. Je sais pas où on est mais ça m'intrigue. Ah bah. Bah écoutez,
On va se laisser là. On a pas mal avancé. On arrive pour un nouveau monde, entre guillemets, une nouvelle temporalité. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, ben, abonnez-vous, bombardez la barre de pouces bleus, partagez la vidéo. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite du Let's Play rétro sur Chrono Trigger.